J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est 8h30 passé me semble. Je suis levée depuis un petit moment, j'en ai profité pour regarder mes vidéos YouTube. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais un retard monstre dans les vidéos YouTube que je regarde. Pardon, je vais lâcher l'appareil. Parce que le fait de pas avoir regardé YouTube pendant quelques jours, j'ai eu une accumulation, j'avais plus de 30 vidéos à regarder. Et voilà, j'avais envie de toutes les voir, donc voilà, j'ai pris le temps et ça a pris beaucoup de temps. Mais là ça y est, je suis arrivée au bout, j'ai rattrapé mon retard. Bref, là ça va être la matinée et début d'après-midi ménage et rangement, parce que j'ai du why de partout. Faut que je range les chambres des enfants, que je réorganise pour ranger les nouveaux jouets. Il faut que, voilà, que je me mette à jour vraiment au niveau du ménage. Et puis après on se préparera et on ira se balader cet après-midi. Voilà, donc si j'ai le temps, je voulais faire en bullet, mais clairement j'aurai pas le temps parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, peut-être ce soir. Voilà, je vous montre quelques petits endroits. Mais alors regardez-moi ça. Voilà, sur la table, bazar. Là j'ai du linge qui sèche. Bon, ça c'est pas très grave, je vais vous montrer. Bon, c'est pas la pire, vous me direz, c'est pas une catastrophe, mais voilà, faut que je change tout ça. Que je fasse les sols, que je range cette étagère là. Que je range le sac à dos qui n'a rien à faire ici. Je fasse son lit et voilà. J'ai pas mal de petites choses à faire quand même. Donc ça c'est la chambre d'Aaron. La chambre de Kayla c'est pire parce que comme d'habitude Aaron a mis le bazar. Il y en a deux partout. Pourtant c'est Kayla, elle fait vraiment attention. Elle range assez bien ses affaires, mais alors avec Aaron c'est compliqué. Voilà, il y a des habits, il y a un peu de trucs rangés partout. Voilà pareil, il faudra que je fasse les sols. Et en plus je comptais, enfin j'aimerais bien enlever le sapin aussi de Noël, comme ça c'est fait. Mais ouais, je sais pas si j'aurai le temps, on verra. Voilà, rien que ça c'est pour la chambre des enfants, donc je vous montre ça parce que c'est par là que je vais commencer, puis je vous montre quand j'aurai fini. Voilà, bon là vous voyez que j'ai mis les trucs, la chaise et le petit chariot sur le lit parce que je vais faire les sols qui ne sont pas encore faits, et donc voilà, tout est rangé. Et c'est fou ce que ça fait du bien, n'est-ce pas? J'ai vraiment rangé, j'ai fait toute la poussière, et du coup en bas... Là j'ai mis une petite caisse vide pour ranger encore des jouets, des couches, sa voiture. Après j'ai mis dans le couloir cette caisse là que je pense va rester là pour sa ferme là, parce que je pense que je vais lui monter, mais à chaque fois que je vais devoir la nettoyer, enfin nettoyer les sols, je la mettrai dans cette caisse là. Voilà, bon, maintenant je vais attaquer Kayla. Alors Kayla a voulu m'aider et commencer à ranger et elle a fait tomber tout ça. Bon c'est pas grave, on va s'y mettre, allez. Voilà, la chambre de Kayla rangée. Alors c'est pas encore tout à fait ça parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que je change cette armoire et que je mette un nouveau meuble de rangement. Mais bon voilà, au moins c'est rangé, puis elle a à portée de main ses nouveaux joujoux. Là j'ai mis les tsum-tsum, ça il faudra que je mette une petite étagère pour... Il y a sa maison de plombier qui n'est pas rangée, mais sinon tout le reste est ok. Aaron commence à jouer. Va dans ta chambre alors, va dans ta chambre. Alors pourquoi c'est compliqué de faire le ménage avec les enfants? Enfin bon voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal rangé pour l'instant. Je vais faire les sols et puis après je vais attaquer les autres pièces. Bon coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard, il est 1h un peu passé. Donc j'ai fait la chambre de Kayla et la chambre de Aaron ce matin. J'ai enlevé le sapin, j'ai rangé ma salle à manger, donc j'ai vraiment bien avancé. Je vous montrerai plus tard je pense, parce que là on vient de finir, enfin on a mangé, je viens juste de finir de débarrasser, j'ai du linge à plier, Aaron est à la sieste, j'attends qu'il ait fini la sieste pour partir, donc voilà, là je plie mon linge, je me lave, je me prépare, Kayla est prête et puis après on va aller voir ma maman et aller faire un tour un peu dehors, donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, il est 3h, donc là j'attends maman, elle va pas tarder. Ta mère, c'est ta mère Jaï? Bah oui. Et du coup on l'attend, on va aller au McDo. Donc voilà, le petit a fait une bonne sieste avant de partir. Donc là il va être en pleine forme. Et moi? Donc t'es toujours en forme de toute façon. Non. Et Kayla t'as pas montré? C'est quoi? Elle a perdu sa dent. Et la petite souris est passée, elle a eu des sous. Et du coup on lui a commandé un truc sur internet avec ses sous. On lui a commandé les petites souris justement des Sylvanians. C'était pas cher, elles étaient à 11 euros en fait, au lieu de 20 ou 25 euros en boutique. Donc du coup, on en a profité sur Amazon, on les a pris. Voilà, et on les recevra demain. C'est les souris. Ouais, c'est les souris. Elle a acheté des souris. Voilà, elle a acheté des souris avec les sous de la petite souris. Voilà. C'est trop drôle. Ma mère va pas. Souris. On se retrouve tout à l'heure au McDo. Thank you.
coucou tout le monde, on se retrouve, il est 6h, presque 7h même je pense. On vient de rentrer à la maison, là j'attends papa qui vient de m'aider. Du coup j'ai pris McDo pour ce soir. Ouais, voilà, histoire de faciliter la vie. Les enfants sont éclatés au jeu. Aaron il adore ce jeu parce qu'en plus il peut monter et tout et c'est un truc sur plusieurs niveaux, c'est génial. Donc voilà, on a passé toute l'après-midi là-bas, moi j'ai mangé une glace dans l'après-midi. Et puis voilà, donc c'était cool. Je vous ai filmé vraiment vite fait les petits parce qu'en fait il y avait beaucoup d'enfants donc c'était un peu compliqué. Et voilà, ce soir je suis censée... tu fais quoi? Ce soir je suis censée préparer un tiramisu. Donc on verra. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Petit menu. C'est bon, Aran? Aran, il a des nuggets. Et Kayla a un cheeseburger. Et on a eu des messieurs, madame, du coup. La fille. Attends. Oui, c'est madame ma... Alors, elle, tu t'es régalée aujourd'hui, Kayla? Oui. Ouais. Alors, elle, c'est madame Calin. Oh, c'est mignon. Et elle, c'est madame Magie. Madame Magie, son beau. Bon appétit. Bon appétit. Oh, coucou, tout le monde, on se retrouve. Il est 9h30. Soir. Je vous reprends rapidement parce que je vais tout juste attaquer mon tiramisu. J'ai trouvé une recette de tiramisu Kinder sur internet, donc je vais la tester. Et je vous en parlerai si elle était bien ou pas. Je vous montrerai juste le résultat final. Je vais pas vous filmer tout le déroulé de la recette, ça serait trop long. Mais voilà, je vous montrerai quand même le résultat, soit aujourd'hui, soit demain. Mais il faut que ça se repose au frais, donc je suis obligée de le faire ce soir pour demain midi. Je suis un peu fatiguée, je voulais faire mon bullet journal mais je sais pas si je vais y arriver. Je vais voir selon combien de temps ça me prend de faire cette cuisine là. Aaron a mis un peu de temps à se coucher ce soir encore, il s'est levé une ou deux fois. Pas tant que ça, mais en fait comme j'ai déjà le temps de le laver, de manger tout ça, on était un peu à la bourre ce soir encore une fois. J'ai dû le coucher peut-être à 8h et il s'est pas endormi avant 9h. Donc voilà, mais bon, c'était pas horrible mais c'est pas encore tout à fait ça. Moi je vais attaquer parce que je m'attarde là mais j'ai encore beaucoup de boulot. Donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain matin pour la clôture du vlog. Parce que hier du coup j'étais pas mal occupée, j'ai oublié de vous reprendre. Donc je voulais vous montrer, hier j'ai fait du coup le tiramisu. Ça va, ça a été assez rapidement. Après je me suis mise sur l'ordi, j'ai bossé un peu sur mon bullet journal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis après j'ai craqué, j'ai acheté un truc. Voilà, sur internet. Comme d'habitude j'ai remarqué que souvent le soir quand je traîne... et que j'ai l'ordi à proximité, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. En fait, c'est parti d'un truc, c'est à cause du bullet journal en fait. J'aime bien quand je dis ça. La fille qui essaie de se justifier. J'ai fait la page wishlist, et du coup je voulais le nom d'une paire de baskets que je veux, pour mettre dans ma wishlist. Et quand je suis allée sur le site, je me suis rendu compte qu'il en restait plus qu'une à ma taille. Donc je l'ai pris. C'est très très... Je me suis dit, je vais attendre ça, voir si elle est soldée, mais en fait, elle sera pas soldée, vu qu'à mon avis, il n'y en aura plus. Donc, j'ai commandé. Après, je me dis, au pire des cas, si elle te plaît pas, ou si ça ne va pas, ou si tu regrettes, tu la renvoies. C'est... Je l'ai commandé sur Zalando, donc les retours sont gratuits. Mais je vais la montrer quand j'aurai reçu. Donc, je vous montre un petit peu le bullet journal avant de clôturer ce petit vlog. Alors, donc ça, c'est les pages que vous avez déjà vues. Donc, la page des citations qu'il faut que je termine, la page des livres, la page des films à voir, la page des séries. Deux pages de série, la page de Disney. Donc celle-ci vous ne l'avez pas vue, c'est la page des choses qui me font du bien, des choses que j'aime faire. Donc j'ai laissé un peu de place pour ajouter des choses, mais là voilà, là c'est actuellement ce que j'aime bien faire pour me détendre. Donc faire un bain, lire un livre, me faire les ongles, prendre soin de moi, faire une nouvelle recette, faire du coloriage, faire un spa, jouer aux jeux vidéo, regarder une série télé ou un film indien. J'adore le film indien. Je pense pas vous en avoir déjà parlé d'ailleurs. Moi j'adore aussi tous les autres films, mais j'aime bien le film indien. Faire un bon restaurant, faire un ciné, faire du shopping. Voilà. Ensuite, donc là vous la verrez, mais elle est encore en crayon, donc je vais tout repasser au feutre. Donc c'est mes objectifs 2018. Donc j'aimerais bien avoir 5000 abonnés sur YouTube. Donc c'est pas rien, parce que là je crois qu'on est à... 3500 bientôt, donc il me manque encore 1500 abonnés, donc je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, j'aimerais bien avoir 5000 abonnés. Finir les travaux dans l'appartement, c'est parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut qu'on finisse, entre autres la paroi dans la salle à manger qui n'est pas finie depuis 2 ans, et entre autres, et j'aimerais bien reprendre la chambre de Kayla, reprendre ma chambre, donc voilà, ça c'est vraiment un objectif de 2018. Le sport une ou deux fois par semaine, faire du tri et organiser l'appartement, donc là j'ai fait des boîtes à donner, à jeter, à garder. Avoir une meilleure alimentation, donc, je sais pas si vous verrez mais c'est une pomme qui fait un sourire, et réussir mon concours, ça serait l'idéal.
avoir un travail stable, donc voilà, un travail qui dure dans le temps, faire une sortie en amoureux par mois, lire un livre par mois minimum. Je voulais mettre un ou deux, mais bon, je me suis dit un livre par mois déjà c'est bien. Projet photo et DVD, donc ça c'est parce que il faut que je mette à jour mes albums photos, que je fasse faire des photos, des albums photos avec toutes les photos que j'ai depuis Kayla, qu'elle est bébé. Parce que voilà, c'est très important pour moi les photos. Et les DVD c'est pareil, il faut que je grave toutes les DVD vidéos que j'ai depuis Kayla est née. Et autant vous dire que j'ai filmé, alors je faisais pas des vlogs mais je filmais déjà beaucoup. Donc j'ai beaucoup beaucoup de boulot pour ça. J'aimerais bien perdre 10 kilos. Alors c'est pas une priorité, mais je me dis que si j'ai une bonne alimentation, je peux les perdre. On verra. Et moins dépenser. Et pareil, j'ai laissé des casites si des objectifs venaient à se rajouter. Ensuite, ça c'est la case wishlist, donc qui a causé ma perte hier soir. Donc dans ma case wishlist, bon, j'ai essayé de dessiner un joli, je suis pas très douée, mais bon, c'est pas grave, on reconnaît à peu près ce que c'est. Hein. Donc dans ma wishlist actuellement, il y a le Google Home Mini que j'ai très envie d'avoir, et ça c'est grâce ou à cause de Marie-Hélène de la chaîne Tellement Même, qui a fait une vidéo en fait sur le Google Home Mini qui m'a donné trop envie de l'avoir, donc voilà, j'aimerais vraiment l'avoir. Un livre de recettes sur le Cookéo. Une parure de draps de chez Ikea que j'avais mis dans ma wishlist de Noël. Un mixeur plongeant, bon là j'ai mis une Moulinex mais ça peut être un autre. La caméra, l'appareil photo là dont je vous ai parlé pour le vlog, ça c'est un... je pense pas que je vais l'acheter hein, mais voilà, ce serait un budget peut-être à mettre de côté et essayer de l'avoir peut-être pour la fin d'année prochaine. Des pinceaux de chez Zoeva. La collection des livres Simplissime, donc là il y en a 4 que je voudrais et il y en aura à peu près pour 50€. Donc je vais les colorier des couleurs parce qu'ils sont, ils ont justement des couleurs appropriées. Alors ça c'est un coussin, alors ça ressemble pas du tout à un coussin mais bon, j'ai du mal à le dessiner. C'est un coussin en dentelle de chez Maison du Monde. J'ai mis, enfin il coûte 20€ mais j'en voudrais deux donc du coup ça me coûterait 40€. Un disque dur, ça je vais en acheter un, c'est obligatoire parce qu'avec tout ce que je filme sur YouTube j'ai mon ordi qui est plein à craquer. Et les baskets en question qui ont causé ma perte. Moi, je suis pas très douée, mais on fait pas trop attention au dessin. Donc c'est les basket internationalistes de chez Nike en marron que j'ai craqué. Elles ont une bordure un peu dorée, elles sont trop belles. Bon, je vais les montrer quand je les recevrai. J'espère qu'elles vont m'aller. Ben, j'espère ou pas, parce que du coup ça m'a quand même coûté une blinde. Elle coûtait 89€, mais j'ai eu une remise dessus de 12%, donc je crois qu'elles m'ont coûté 79€, ce qui n'est pas rien du tout, mais bon, voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Et puis voilà, des baskets, c'est ce que je mets tous les jours, je mets tout le temps, tous les jours mes Reebok blanches avec, vous savez, le derrière pailleté. Et du coup, bah, j'aimerais bien alterner un petit peu au niveau des baskets parce que commence à s'user vu que je les mets tous les jours. Et celles-ci sont vraiment trop trop belles, donc on verra quand je les recevrai. Voilà, et là, aujourd'hui, je vais faire la page des rêves à accomplir. Voilà, alors je sais pas, du coup, je pense que je vais mettre mes rêves mais pour toute la vie, pas spécialement pour l'année, parce que mes rêves en fait c'est mes, j'ai pas vraiment, enfin là c'est mes objectifs pour l'année et là ce sera vraiment mes rêves sur du long terme que je reporterai je pense sur chaque bullet journal chaque année. Voilà, donc je vais continuer ça. Donc voilà, j'espère que ces petites pages de bullet vous ont plu. J'ai eu pas mal de retours sur les derniers vlogs où je vous les ai montrés et voilà, vous avez été en enthousiasme donc c'est gentil. Là il est 9h donc je vais essayer de monter ce vlog avant d'attaquer ben, le repas, le rangement parce que je dois faire une poularde farcie et ça va cuire pendant 2h ou 2h30. Il faudra que je l'arrose régulièrement, il faut que je fasse le gratin de patates aussi donc du coup je vais avoir du boulot en cuisine. Donc je vais essayer de terminer de ranger en fait juste la table là où il y a quelques trucs qui traînent et mon bureau et je vais monter le vlog et puis j'attaque la cuisine. Donc on se retrouve sûrement beaucoup plus tard au moment du repas. Non mais en fait il vient de calculer que je clôturais le vlog donc vous ne verrez pas tout de suite, ce sera dans le vlog de demain. Bon bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu, si c'est le cas pensez à liker, partager la vidéo et à vous abonner pour les prochaines et du coup je vous dis à demain pour la suite du vlog.